Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 14e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui au menu, bien évidemment, l'excellente prestation de Sidi Ali Boudina en aviron qui décroche la médaille d'argent au championnat de France en salle, spécialité Air Grand Maître. On tentera d'avoir par Skype Boudina pour revenir sur cet exploit à quelques mois, moins de 6 mois des Jeux Olympiques de Tokyo. Le renouvellement des instances au centre des débats. L'athlétisme à l'honneur aujourd'hui, le premier sport olympique. On va parler de perspectives surtout et les besoins en matière de prise en charge des athlètes. La saison de cross-country lancée par le challenge Abdou Serwani, celui des ruines romaines de Batna. On aura également un gros plan sur le triathlon qui organise un stage. La fédération qui organise un stage à CRID en prévision des championnats d'Afrique et une visite guidée du centre de préparation de CRID. Également au menu, le dossier du jour qui est consacré aux Jeux Olympiques de Tokyo, l'incertitude qui plane autour de sa tenue. Tout cela avec notre invité et notre consultant maison qu'on retrouve chaque lundi avec grand plaisir. Nourdine, bonsoir. Bonsoir Mortal, un plaisir qui est tout le temps partagé. Bonsoir à tout le monde et puis grosse pensée à Abdou Serwani ce soir. Grosse pensée à Abdou Serwani, on aura le temps d'en parler tout à l'heure, bien évidemment. C'est à chaque rendez-vous, il y a beaucoup d'émotions qui est présente. Pour ce 14e numéro, nous avons le plaisir de recevoir un champion, un ancien athlète. Il a été déjà champion méditerranéen sur le 5000 mètres avec une belle médaille d'or et une belle médaille d'argent également sur le 1500 mètres. C'était à Tunis en 2001. Actuellement, il est président de section du Musée d'Alger de section athlétisme, bien évidemment. Le plaisir de recevoir Mohamed Khaldi. Mohamed, bonsoir. C'est une première pour vous. Très heureux de vous accueillir. Bonsoir Mortar. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans cette émission. Surtout, d'autant plus qu'on va parler de ta discipline chère, à savoir l'athlétisme. Les nouvelles de Mohamed Khaldi depuis qu'il a arrêté sa carrière? Bon, depuis que j'ai arrêté ma carrière, je suis adressé directement à la vie professionnelle. Très bien. Je suis un cadre à la Sonatrach. Je travaille toujours dans le domaine sportif. Vous êtes manager en sport? Je suis un manager en sport. Tout va bien, ça va très bien. Alhamdoulilah. Et vous êtes surtout président de la section? Je suis président de la section athlétisme de petit à petit. Donc, Mouloudia Club. On essaie de revenir. On essaie de revenir de loin. Hein, parce que depuis la séparation en 2008. Depuis la séparation, c'est pas facile de ne pas avoir. On n'a pas de budget, on n'a pas de subvention et on essaie de garder ce club-là, notre cher club, toujours présent. Aujourd'hui on est 20, avec les 20 premiers clubs algériens, avec zéro moyen. C'est déjà un exploit, c'est un résultat que tout le monde est satisfait, tous les Mouloudiens sont satisfaits de ça. Voilà, et on reviendra à chaque fois. Lui, il va bien, mais l'athlétisme ne va pas bien du tout. Il va pas bien, justement, on va parler de ça et surtout de perspectives et du futur de cette discipline qui a tant donné, la première en matière de résultats. S'il vous plaît, on va à Nordin Hanni. Après le cyclisme la semaine dernière, cette fois-ci c'est autour de l'athlétisme, les sports en plein air et le cross-country, et plus spécialement de reprendre du service. Tout d'abord, c'est une bonne chose que l'activité sportive reprenne. On était cantonné dans le football, les autres disciplines reviennent, c'est déjà une bonne chose. Surtout quand on sait que l'athlétisme, dans quelques mois, il va y avoir un championnat d'Afrique en Algérie. Il y a donc beaucoup de choses à faire dans cette discipline, oui, qui est la plus importante en Algérie. C'est celle qui nous a donné des champions olympiques, qui nous a donné des champions du monde, qui nous a donné beaucoup de satisfaction. Donc c'est dommage de voir une telle discipline, au même titre que les autres disciplines, mais elle, c'est particulier. Vivre beaucoup de problèmes. Absolument. Donc je pense qu'avec les prochaines échéances qui arrivent, des élections... Mais on en parlait, donc on a parlé tout à l'heure. Je pense qu'on s'est un peu précipité pour les élections en athlétisme. Il fallait d'abord remettre de l'ordre. Oui. Il fallait définir des plans de charge, définir des projets. Que va-t-on amener à l'athlétisme? Je viens pour me présenter en tant que candidat alors que je n'ai aucun projet. C'est difficile à admettre. Nommer un président et nommer un bureau à part, surtout quand on sait qu'il y a 35
Candidat pour le bureau, c'est aberrant, c'est toute l'Assemblée générale qui veut être au niveau de la fédération. Alors que la Ligue, elle, c'est les ligues qui doivent faire l'athlétisme, c'est pas la fédération. Donc ces gens-là qui sont dans l'Assemblée doivent rester dans leur ligue, doivent travailler dans leur ligue, et la fédération s'appuiera dessus, et non le contraire. Mais bon, on aura tout le temps de parler on de va, tout on ça. On va en parler, mais certainement, juste pour planter le décor, Khaldi a son avis. L'objectif primaire, c'est de rassembler d'abord la famille, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est le rôle maintenant, si je peux dire, c'est le rôle du ministère maintenant de faire, comme il a dit M. Hini, il vient de se présenter comme président sans projet, sans il n'y a pas un changement réel, on ne voit rien. Maintenant, il faut attendre. Je crois qu'il faut attendre, réunir tout le monde, la famille de l'athlétisme, et prendre des décisions qui seront fiables dans l'avenir. C'est pour ça, comme il a dit, je partage l'idée avec M. Henni, il faut calmer les choses, parce que cas, si on y est inquiété pour les championnats d'Afrique, il y a plusieurs solutions. On fait une commission de préparation des championnats d'Afrique et on va trouver. Mais surtout, ce qui est important, c'est l'avenir de cette discipline qui est tant donnée pour le sport algérien. On va y revenir. De toute façon, le cross, donc bonne nouvelle pour les amoureux de la course à pied, du cross-country. On commence déjà avec les deux challenges, celui de Batna, les ruines romaines, et notre ami Abdou Sawani qui nous a tant accompagné sur les parcours, que vous connaissez parfaitement bien. Oui, Abdou Sawani, il était mon ami, toujours il me suit, il m'a parlé toujours. Allah yahmou. C'est un vrai ami. Hein. C'est l'ami de tout le monde. C'est l'ami de tout le monde, l'ami de l'athlétisme surtout. Hein. Bon, Abdou, alhamdoulilah, on dit alhamdoulilah aujourd'hui parce que la compétition a repris, par l'athlétisme a repris. Donc il ne faut pas arrêter là. Il faut se préparer, les athlètes, il faut les athlètes qu'ils se préparent les prochaines échéances. Donc il faut, Inch'Allah, ibad alina rabbi ruh alina hadal waba hadaya. Inch'Allah, la vie continue. Inch'Allah. Il faut se préparer les athlètes, il faut se préparer, ne s'inquiétez pas, il faut aller vers là. Ouais, on attend toujours la piste, surtout d'athlétisme du stade annexe. Allez, premier sujet, donc le cross challenge Abdou Sawani pour donner le coup d'envoi de la saison de cross-country. Et celui de Batna, on va commencer par celui de Abdou Sawani avec ce compte rendu signé Linda Tepoul. Rendre hommage à Abdou Sawani et renouer avec la compétition. C'est ce qui a motivé les amoureux de la course à pied à se déplacer ce samedi printanier au parcours du golf. Il était très gentil, Kenyaf, il savait faire son travail. Bien fait. Salam alaikum, Ousmane Adam. J'ai été là pour voir les concurrents de l'athlétisme. On félicite les rebhous là, non? Et Inch'Allah, Rabbi, qu'il y ait un grand nombre de l'oulaine ou une coupe. Sincèrement, un arrêt pour les athlètes, c'est un peu difficile. Donc, c'est une aubaine, la reprise, en plein air. On a commencé très bien par une compétition un régional au golf. Donc, ça nous fait beaucoup de bien. Voilà. Cinq courses étaient au programme de ce premier challenge. La première concernait les cadettes filles, remportées par Gman Nour devant Saïhi Khawla et Arij Anfal. حصلت على المرتبة الأولى والحمد لله. كيفاش كان السباق؟ السباق كان تكتيكي سريع في البداية وقدرت نتحصل على Chez les cadets, victoire de Abd Oussama devant Zouane Mohamed et Mati Massinissa. Ensuite, c'était au tour de Rehem Sinani de la protection civile de dominer la course des juniors senior filles, suivie de Bndrbel Malika et Bnajiba Saïda. الحمد لله يا ربي اليوم فزت بالسباق السباق كان سهل بالنسبة لي والمسلك كان في المستوى التنظيم كان في المستوى. Avant dernière course au programme, celle des juniors garçons, où le sociétaire de Krom Schlef d'Ala Yazid a survolé la distance devant Talib Ayoub et Bouljaj Adam.
تحصل على المرتبة الأولى في الصين في الأجبال وهذا بتوفيق ربي سبحانه وتدريبات الشيخ بردي العربي اللي ساندني دار منافسة في المستوى إن شاء الله مستقبل زاهر إن شاء الله فقط التكفل والإمكانيات ونوعدكم إن شاء الله نكونوا في مستوى تشريف الألوى الوطنية إن شاء الله. Et pour clore le bal, les 8000 mètres seniors garçons, dominés par Hicham Bouchicha de la sélection militaire, vainqueur devant Guermé Ali et Drifel Nassim. Alhamdulillah, aujourd'hui, يعني الواحد كيما يقولوا المعنويات نتاعنا راهي مرتفعه يعني على هذا المرتبه اللي تحصلنا عليها اليوم يعني هذا بعد التدريب يعني الغياب نتاعنا كان تقريبا عام على المنافسات بسبب كورونا والحمد لله يعني رجعنا لجو المنافسه وتحصلت على هذه المرتبه الاولى يعني A rappeler enfin que le championnat national se déroulera le 20 février à Tizi Ouzou. Ah, le 20 février à Tizi Ouzou et certainement vous revoyez avec grand plaisir le parcours du golf, que l'un des meilleurs au monde, il faut le dire, que, oui. Sur lequel vous avez couru. Oui, mais c'est un parcours même pour la compétition et même pour la préparation aussi. Moi, j'ai entraîné tout le temps dans le terrain de golf. C'est un parcours varié où l'athlète il peut trouver toutes les sensations qu'il faut pour la préparation. Telle que soit une préparation en endurance ou la force et tout. Donc c'est un parcours vraiment… Même la qualité du sol voilà, ne provoque pas de blessures. Ne provoque pas de blessures. Comme chaque saison, Nordine Hani, là c'est le début, mais comme chaque saison, les mêmes écoles, les mêmes pôles de développement dominent, notamment chez les jeunes. Oui, moi je pense qu'à la Fédération d'athlétisme, on doit tirer des conclusions à chaque fois. On a parlé des hauts plateaux, on a parlé donc des régions qui sont prédisposées pour génétiquement pour le demi-fond et pour le fond. Donc on a toujours dit qu'il fallait créer des écoles à ce niveau-là. Vous avez vu l'engouement des jeunes, c'est ouais. Des jeunes qui en veulent. Moi je retiendrai la déclaration du jeune qui a dit « Inch'Allah, je serai champion du monde ». Donc vous voyez, il y a cette motivation, il y a cette patte, il y a tout ce qu'il faut pour faire des champions du monde. L'Algérie est un pays qui doit avoir beaucoup, pas un seul Mahloufi, on doit avoir plusieurs Mahloufi. Ils le sont quand ils sont jeunes, avec l'âge ils disparaissent, donc il y a problème quelque part, et c'est là où la réflexion doit être de mise. Le travail ne se fait pas comme avant, selon vous, Mohamed Khaldi. À votre époque, il y avait un groupe d'athlètes d'élite, surtout sur la distance de prédilection, à savoir le 1500 mètres. Vous étiez avec Zargalen Antal, vous étiez avec Tarek Boukounza, et juste après, il y a eu Toufiq Mahloufi. Oui, dans mon groupe où j'ai vécu moi l'entraînement, on était presque 5 athlètes ou 6 athlètes, moins de 3,33. J'étais presque moi le dernier, 3,33. Avec Boulhafen également, Kamal Boulhafen. 3,32, Zargalain 3,31, Boukounza 3,30. Et maintenant, après Mahloufi, il est venu avec 3,29. Donc le niveau était vraiment, vraiment, vraiment élevé. Comment se faisait la sélection surtout? La sélection se faisait selon la sélection nationale. S'il y a des règles de la fédération, il faut rentrer dans les règles de la fédération, il faut se classer, il faut trouver. Là. Mais pour la performance... Non, mais comment, je voulais dire, comment vous avez été découvert en tant que jeune talent? Ah, en tant que jeune talent, c'est une histoire. Bon, depuis longtemps, c'était Mohamed Raja, mon premier entraîneur à Annaba. Ben, je suis venu ici à Alger avec M. Ammar Brahmia, à l'aide de son frère Abdel Baqi, que je salue. Je suis venu ici à Alger, je me suis trouvé avec un groupe qui est le groupe de Mosley. Le lendemain, je s'entraîne avec Nordine Morsley, Abou Chaoui, au golf. J'étais tout jeune, moi et Boulafen. Et on a fait. Il y avait un système. Et le système, c'était le groupe A, c'est lui qui tire le groupe B. Le groupe B, c'est qui se compose de qui? Il se compose des athlètes, des jeunes athlètes, qui vont venir à l'avenir. 17, 18, 19 ans. C'est le système qui a. Qui a aussi, si je peux dire, qui a aussi fait sortir Boukenza, fait sortir Zargalain, fait sortir Mahloufi. À titre d'information, Mahloufi était le sparring partner de Boukenza et Zargalain. C'est le système, on a fait un système, par l'encadrement technique, il a fait un système que les jeunes athlètes, comme ça, par exemple, l'athlète qui a dit je veux devenir un champion du monde, il ne faut pas, c'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, de penser? Donc il faut le ramener, il faut le bien encadrer, il faut le bien accompagner.
C'est ça le rôle, je crois, le rôle de la fédération et le rôle de la direction technique. Là, vous parlez de l'encadrement technique au niveau de votre club uniquement. Mais pourquoi on ne voit pas ça au niveau des stratégies de propres à une fédération ? Parce qu'on a toujours dit, c'est parce qu'il y a des textes qui doivent être changés. Les techniciens ont été évincés de toutes les fédérations. C'est les techniciens qui font qu'il peut être champion du monde ou il peut être champion olympique. C'est eux qui décident. Ce n'est pas les gestionnaires. Les gestionnaires doivent venir avec, comme il l'a dit, avec un projet, avec des sponsors. C'est fini où l'État donne de l'argent. L'État ne peut plus donner de l'argent pour atteindre le haut niveau. Donc il faut que le président qui vienne, vienne avec des sponsors, qui puisse ramener de l'argent, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre, pour aller faire des stages, pour aller faire de la préparation. Il faut que les ligues également ne pensent pas tous à monter à Alger pour venir remplir les fédérations. Il faut que les ligues travaillent à leur niveau. Il a été découvert à Annaba, Makhloufi a été découvert ailleurs, Nordine Morsli a été découvert à Chlef, à Ténès, Hassiba a été découverte à Constantine. Donc c'est ces pôles-là qui ne travaillent plus. Tout le monde veut venir sur Alger, on veut tout regrouper sur Alger. On ne peut plus faire ça. Il faut aller vers des régions, faire des sélections de régions et faire qu'il y ait toujours de la concurrence. Il a parlé du nombre d'athlètes qu'il y avait. Morsli était en tête, Makhloufi était en bas, Morsli est parti, Makhloufi est monté. Donc c'est ça qu'il faut. C'est un système qu'il faut travailler. Il faut qu'il y ait une direction technique nationale solide avec un encadrement. Moi, quand on me dit qu'il y a un directeur technique, mais un directeur technique ne peut rien faire. Il faut une direction technique nationale, il faut une direction technique régionale. Il faut mettre des techniciens à ce niveau-là pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent y avoir de la patte. Maintenant, si on vient et on se met à la fédération pour pouvoir profiter de voyages et pour aller donc au niveau de la maison des fédérations, se rencontrer pour se raconter des histoires, mais le plus important, ouais, et c'est dans toutes les disciplines, c'est le rassemblement. On peut ne pas être d'accord sur une façon d'être, ouais, mais on peut se mettre d'accord sur une ligne de conduite pour la discipline. Et c'est ça. Et ça, on ne peut la remettre qu'en mettant les gens ensemble et qu'en permettant à tout le monde d'avoir son mot à dire. Même si on n'est pas dans une fédération, on peut être dans un collège technique des entraîneurs. Que tout le monde soit impliqué. Tout le monde doit être impliqué parce que l'athlétisme, comme tous les autres sports, appartient à tous ceux qui l'ont pratiqué. À tous les acteurs de la discipline. Vous Absolument. Êtes en train d'étaler en quelque sorte une stratégie que doit appliquer une fédération, mais elle doit également épouser les besoins des ligues que vous venez de citer et qui ont à leur tour découvert les champions comme Khaldi, comme... Mais les ligues, c'est ce qui est le plus important. Tout doit se faire en coordination. Mais bien sûr, c'est le plus important. C'est ce qui manque. Personne ne veut travailler. Vous avez dans des fédérations, vous avez des ligues où il n'y a pas de club. Et on veut monter à la fédération. On veut être monde fédéral alors qu'on n'a même pas un club dans sa propre ligue. Il faut arrêter. Il faut se pencher vers ça. Il faut qu'il y ait... Et jusqu'à présent, c'est l'État qui finance. L'État ne doit pas s'immiscer dans les élections, mais l'État doit s'immiscer dans le programme de travail. Vous avez un programme de travail, vous me donnez votre plan de travail et moi je le surveille. Et s'il y a erreur, j'arrête les frais. Très bien. Alors, ce qui nous emmène à parler des élections et surtout de cette discipline, c'est le cyclisme qui va demain commencer. Donc, son AG électif, ça sera demain mardi. Mais on va pas aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce premier sport olympique, la Fédération algérienne d'athlétisme. Et à l'occasion du challenge Abdou Sorwani, il y avait les trois candidats avant la date de clôture de dépôt de dossier, à savoir le lendemain, le dimanche à midi, où il y a eu également un autre candidat qui a déposé son dossier. Alors les quatre candidats sont, donc après le départ de Hakim Dib, qui ne sera pas candidat pour sa propre succession, il y aura Kamel Benmissi, ancien président de la Fédération algérienne, Farid Bouraïs, l'actuel président de la Ligue de Tizi Ouzou, on les voit sur les images, et ainsi que Mourad Ben Slimani, Ligue de Médéa, et Yassine Louil, l'ancien champion
de disques et de marteaux. On écoute cette fois-ci les trois candidats, puisqu'on n'a pas eu Ben Slimani, Ligue de Médéa. C'était le lendemain qu'il avait déposé son dossier. Successivement, on écoute donc Farid Boukaïs, Kamel Benmissi et Yassine Louil au micro de Linda Tboul. رانا ان شاء الله راح نجيو برنامج لكي الرياضه بالقوى ترجع الى مكانتها الاصليه ما يخفاكمش هي الرياضه رقم واحد حب من حب وكاره من على المستوى الدولي ولهذا راه الشيء لازم علينا اولا قبل شيء باش نلحقوا الرغبات تاعنا لازم نلموا اولا عائله العاب القوى لازم نجذبوا العدائين الى الميدان كما راكم اليوم هنا في العاصمه انا فرحان بزاف كي راهم الناس واعيين بالمسؤوليه جابوا العدائين والعدائات للمشاركه في اول ملتقى هنا في العاصمه هذا شيء اولا ايجابي Vu ce qui se passe dans l'athlétisme algérien, selon certaines statistiques, par exemple, moi j'observe qu'il y a à peu près 440 communes qui pratiquent l'athlétisme sur 1500 et quelques. Ce n'est pas normal pour une discipline qui est par excellence une discipline qui doit massifier. Et aussi, partons du principe qu'il y a une corrélation intime entre la pratique de masse et la pratique de l'élite. C'est un principe mondialement connu. On ne peut pas continuer comme ça, c'est tout. Et on a effectivement, nous avons quand même une élite digne d'intérêt, mais il faut toujours la reconstituer. Et si on peut travailler maintenant sur au moins 30 wilayas qui sont vraiment à la traîne, par manque de moyens, ce sera peut-être, on peut garantir un avenir un peu plus serein. Anna, le premier objectif théri, c'est de fédérer يعني cette voilà l'emchem تاع عائله العاب القوه لانه ب ب ب بالمشم كل شيء يتبع لما الشمل كل شيء يتبع هذه وحده لما الشمل هو الصح باسكو لاتليت لي زاتليت هذو كي يشوفوا باللي يا اون امبيونس يعني فاميليال يا اون امبيونس فاميليال او سان دو لا فيدراسيون هما يرتاحوا عقليا يرتاحوا وانت تعطي لهم غير شويه بال باسكو شوف باش ما نكذبوش على روحنا لي مويان كاين لي انفراستركتور سي فري المونك شويه لو بوتونسيال اتليت ما شاء الله عندنا يفو يوتيليزي صح هذا ما كان وشنو لازم العقليه تبدل او بون انا راح نقول لكم واحد الحاجه يعني برك سوي لو كانديدا دو بيرسون Un même semaine, 2013, j'ai été évincé, j'ai été écarté. 2017, la même chose. Un hada haqi. Je suis un ancien international. Qrit, warani hna, ou khdemt terrain, ou talat. J'ai gardé tous les étapes pour déposer cette candidature. Alors, on a écouté, surtout découvert un petit aperçu sur les objectifs et les projets de chaque candidat. Qu'est-ce que vous avez retenu, Mohamed Khaldi ? Moi, j'ai retenu quelque chose, c'est que tout le monde, ils sont d'accord, c'est que rassembler la famille athlétisme, c'est vrai, c'est bien de rassembler. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On n'a que 4 athlètes qui arrivent aux Jeux Olympiques. C'est pas normal. C'est pas ça l'urgence. L'urgence, c'est pas c'est bien de rassembler la famille, mais l'urgence de trouver les mécanismes. Quels sont les mécanismes pour relancer cette activité, pour relancer Judée bien relancer parce que l'athlétisme s'est écoulé. Donc les dernières années, c'est pas. Donc pour relancer, pour faire là, et trouver. Donnez-nous votre programme. Donnez-nous le programme. Chaque président, chaque candidat. Il donne un programme bien détaillé, écrit comme il Parce a fait. Parce qu'à chaque élection, on entend fédérer, voilà, rassembler. Comme il a fait le président de la République, il a signé 54 points. Les 54 points, quels sont les points? Après, vous déposez ça au niveau du ministère. Ces techniciens qui vont étudier les points. Chaque projet. Chaque projet. Et on va travailler. Maintenant, si on parle d'élection le 8 février, je crois qu'on est en train d'accélérer. Il faut calmer. De toute façon, la date est choisie du 8 février. Donc il faut aller doucement. Il faut qu'on trouve. Il faut qu'on s'arrête. Avant, ce sera trop tard. Hein. Quand on parle de fédérer, je pense qu'un candidat ne peut pas fédérer.
dans une fédération. À lui seul, et, oui. Parce que les casseurs sont venus de par des textes et des lois qui ont éloigné des gens de leur fédération. Ça a fait des aigris, ça a fait des clans, ça a fait des groupes qui se déchirent entre eux. Des casseurs. Absolument. Il faudrait que tous les enfants de l'athlétisme reviennent à l'athlétisme. Pas uniquement à la fédération, il y a d'autres moyens. Il y a des ligues, il y a des clubs, il y a des postes méthodologiques au niveau des fédérations. Ils ne sont jamais occupés. Ou alors ils sont occupés par une seule personne. Je vous ai dit qu'une DTN, il doit y avoir un minimum de 10 personnes. C'est un immeuble. C'est un immeuble, une DTN. Une DEN, c'est un immeuble. Une direction des jeunes talents, c'est un immeuble. Donc, une fois que vous allez intégrer tous ces gens qui sont dehors, vous allez enlever cette antipathie qui est née, tout ce qui est né, et vous allez rassembler. C'est là où on va rassembler. C'est les têtes qui peuvent rassembler. Vous pensez qu'en tant que premier sport olympique, on n'a pas droit à l'erreur ? Bien sûr que... Pour une discipline qui a... L'athlétisme, elle a donné l'athlétisme. Quand on parle de l'histoire du sport algérien, on a l'athlétisme. C'est le premier sport qui a donné. Marcano, Del Morsley, Benid Amrah, Makhloufi. Ils sont nombreux. On ne peut pas les citer. Même dans les épreuves techniques. Mais maintenant, ils sont plus nombreux. Il n'y a pas 4 athlètes qui vont aux Jeux Olympiques, alors qu'avant, il y en avait 10 à 15 qui partaient aux Jeux Olympiques. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prenez le nombre de licenciés qu'il y avait avant et prenez le nombre de licenciés qu'il y a maintenant. Là, ça a chuté, ça a dégringolé. Il y a également les luttes intestines qui a... Mais c'est surtout les luttes intestines. Et les luttes intestines, on ne peut pas les combattre parce que moi, en tant que personne, j'ai la sympathie de certains, mais je vais avoir l'animosité d'autres que je ne pourrai pas ramener parce que ceux-là ne s'entendent pas avec ceux-là. Et moi, je serai obligé de prendre parti. Mais lorsque tout le monde sera inclus dans la famille de l'athlétisme. Et autour d'un même projet. D'un même projet, il n'y aura plus d'animosité. Il faut écouter les gens. Il faut écouter les gens. N'importe quel technicien, il faut l'écouter. Peut-être qu'il a quelque chose de vrai à dire. Surtout les techniciens. Et il faut qu'ils reviennent au niveau des assemblées générales. Alors, jingle gros plan, on se retrouve juste après. Un sport pas loin de l'athlétisme que vous connaissez parfaitement bien. Et c'est un petit peu grâce à Nordin Hanik que ce sport a repris du service, puisqu'il a remarqué que suite à la décision du ministère de reprendre, surtout de relancer les sports en plein air, il manquait le triathlon. Le triathlon, c'est la discipline qui fera objet aujourd'hui de notre gros plan. Vous êtes membre, donc fondateur de cette fédération. La coïncidence fait bien les choses. Eh bien, un gros plan sur cette équipe nationale de triathlon qui est en stage à Siraïdi, en altitude, où tous les moyens sont réunis. Reportage signé Sidi Ahmed Bouraib. J'espère que ça se passe bien. Pour la première fois de sa jeune existence, la sélection nationale de triathlon est en stage de préparation. Pour cette première, 18 athlètes ont été présélectionnés avec en ligne de mire le prochain championnat d'Afrique, prévu en avril. Le staff technique a mis en place un programme spécifique, comprenant de la natation le matin et du vélo et de la course à pied l'après-midi. Le groupe là se compose des athlètes d'équipe nationale déjà. Et après on a essayé d'élargir le groupe pour voir le niveau des autres et pour peut-être plus tard renforcer l'équipe nationale. Le niveau n'est pas homogène par rapport à tous les athlètes, mais comme c'est le premier stage, donc on a procédé à une présélection très très large, de façon à ce qu'on teste tous ces athlètes-là, et on leur donne la chance de se préparer pour un éventuel test, parce qu'il y a des compétitions qui vont arriver, les championnats d'Afrique, la Coupe d'Afrique. Donc c'est pour arrêter ensuite, pour le prochain stage, les prochains groupements, une sélection très représentative au niveau africain. Nous avons la première séance de natation. À part ça, le vélo, les parcours, on a beaucoup de montées, bzef agabi. Voilà. Course à pied, on a un stade à Rehnagriba, une piste d'athlétisme. Écoutez, ça se passe très bien. En tout cas, le cadre est idyllique pour l'entraînement du triathlon.
C'est une très bonne initiative de la fédération. Je voudrais surtout remercier les cadres qui nous ont entraînés et tout. Donc c'est un très très bon stage. Donc ça fait presque la moitié du stage en Arménie. Malgré le fait que je suis là, mais ça va, les conditions sont bonnes. On a l'entraîné tous les jours. Malgré la température fraîche de la piscine, la préparation se passe à merveille. La piscine qui n'est pas encore prête à 100%. Il fait froid encore au niveau de l'eau, elle est un peu glacée. Quelques difficultés avec la piscine. Une semaine, il y a quand on travaille aux réparations, quand on a des problèmes de chaudière. En pleine pandémie, le protocole sanitaire est suivi à la lettre. Le protocole sanitaire est respecté comme il le faut. Les gestes barrières tels que distanciation, porte de bavette en cas de sortie et le gel alcoolisé. Une discipline encore méconnue du large public, mais qui gagne des galons. Et c'est surtout la cinquième discipline la plus spectaculaire au niveau des Jeux Olympiques de Rio 2016, Nordine. Bon, d'abord, ce que j'ai retenu le plus, c'est qu'un stage peut être perturbé à cause d'une chaudière. Il faut arrêter. Chez vous, quand vous avez un problème de chaudière, vous allez le régler tout de suite. Un complexe comme c'est là, il dit, il ne faut plus parler de chaudière. Il faut arrêter de parler de chaudière. Il faut que tout soit prêt. C'est une discipline qui peut amener beaucoup parce qu'il y a beaucoup de jeunes athlètes, de jeunes nageurs, de jeunes cyclistes qui ne peuvent pas aller loin dans leur discipline, mais qui peuvent se reconvertir en association des trois. Donc c'est un pays qui a le climat, qui a tout ce qu'il faut pour développer cette discipline. Donc on ne parle pas de chaudière, on arrête de parler de chaudière. En 2021, on parle de chaudière alors qu'en même temps on veut parler de développer une discipline ou d'aller aux Jeux Olympiques. Il faut qu'on dépasse un petit peu tout ça. Ça n'empêche que c'est un complexe qui a été rénové, on va en parler donc tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui déçoit de voir des jeunes se plaindre d'une chaudière. Mohamed, le triathlon, une discipline qui pourrait donner satisfaction dans un futur proche et lointain. Oui, je me souviens de début quand le comité olympique algérien a décidé de créer la fédération. 2015 2015, je crois. 19 octobre 2015. 2015, j'étais bon, parmi les gens qui j'étais vraiment heureux et comment dirais-je. La discipline c'est moi qui ai descendu la wilaya pour ramener l'autorisation et on a fait le tout pour que cette discipline, alhamdoulillah, on voit un stage de préparation de l'équipe nationale, il y a une équipe nationale, malgré peut-être il y a quelque chose qui manque, comme la chaudière et tout, c'est des choses, Inch'Allah, qui vont être établies. Donc, et le plus important aussi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de rendre la vie à CRID, au centre de CRID. Si toutes les équipes nationales. Vous connaissez très bien le centre de CRID. Bien sûr, je connais très bien le centre. C'est votre région. C'est ma région. Donc, le centre de CRID, c'est vraiment un exploit pour l'Algérie, pour les athlètes d'élite algériens. Parce que, si vous vous souvenez, l'équipe de 82, ils ont préparé à CRID aussi. Ils ont fait du football, à CRID à l'époque. Donc, je suis vraiment heureux de voir cette discipline avec une équipe nationale. Et avancer. Vous parlez de centre de CRID, eh bien, il a été rénové, mis à part le problème de la chaudière, eh bien, il offre tous les moyens et tout le confort aux athlètes et aux équipes nationales qui montent surtout à 900 mètres d'altitude pour faire leur préparation, notamment physique. Reportage Sidi Ahmed Bouraïb. Le centre est situé dans un cadre naturel et paradisiaque, offrant des conditions idéales de séjour et d'entraînement pour l'élite sportive nationale. On se plaint souvent du manque d'infrastructures pour préparer nos équipes nationales dans différentes disciplines. Ici à Annaba, le centre en altitude de CRID offre toutes les commodités. Une visite guidée s'impose. Une visite à 800 mètres d'altitude.
Le centre comporte 3 blocs d'hébergement, chaque bloc se composant de 23 chambres. 2 salles omnisports respectivement de 500 et 120 places. Un resto de 150 couverts, une piscine semi-olympique. Un hall pour l'accueil, un auditorium de 220 places, une salle de réunion et plusieurs salles d'études. Un stade en gazon naturel et un autre en synthétique en plus de la piste d'athlétisme. Le centre compte une trentaine d'employés. بحيث هذا المركز أعيد فتح الأبواب بتاعه منذ حوالي سنتين بعد عملية الترميم بتاعه بحيث أنه دخل حيز الخدمة ريالمون 2019. هذا المركز يقع على مستوى علو أكثر من 800 متر على مستوى البحر، لديه إطلالة ساحلية ويعتبر يعني مركب رياضي لأنه يتكون من عدة مرافق من بينها دو صال او ام اس مكيفه ومجهزه باحدث التقنيات، ولدينا كذلك مسبح رياضي نصف اولمبي بما فيه ملعبين، اول عشب طبيعي محاط بمضمار الجري والعب القوى، والثاني عشب اصطناعي من الجيل الخامس. بالنسبه لعمليه الايواء لدينا 3 مباني تحتوي على 69 غرفة مقابل أكثر من 132 سرير مجهزة ومكيفة بجميع وسائل الراحة. دون نسيان أن هذا المركب السياحي الذي بدوره يحتوي على مقهى ومطعم يتسع على 200 مقعد. En cette période de crise sanitaire, les sportifs voulant passer un séjour au centre doivent obligatoirement passer par le Centre national de la médecine du sport. بالنسبة لعملية استقبال هذه الفرق الرياضية الوطنية، فإن المركب يعتمد اعتماد كلي على الإجراءات المتخذة فيما يخص البروتوكول الصحي ضد الكوفيد 19، بحيث أن جميع الفرق التي سبق لها وإن اجتازت تربصات في هذا المركب في ظل هذه الجائحة توجب عليها الحصول على رخصة مدير المركز الوطني للطب الرياضي. Les conditions d'accueil et d'hébergement ainsi que la restauration sont très satisfaisantes. Ça se passe très bien. De là, on est dans de très bonnes conditions. Le centre offre les meilleures conditions de travail, alhamdoulilah. Question d'hébergement, question de restauration, question d'autres conditions. Le stage se déroule dans les normes qu'il faut pour la préparation. Centre هنا تاع كراب سي لي فريمون نيكال، لي شامبر امبيكابل معناها ما نقولوا فيهم، ميم في الريستوراسيون تاع الماكلة مليحة. اسكو فو ايت ساتيسفي دي سيرفيس دو سيرفيس؟ وي، اون ساتيسفي، سا سي باس تري بيان، لوتيلري، لا ريستوراسيون، سا فا. سي سوبر بيان، كو سوا الماكلة، وين باكو، ميم بور لي زونترينمون. De somptueux paysages et un air pur, de quoi passer quelques jours inoubliables, la tête dans les nuages. Et surtout éviter les déplacements qui coûtent cher. Hein. Mais c'est économique pour le sport algérien. Nos clubs vont se préparer en Tunisie, ils vont ailleurs. Alors que si on mettait vraiment en valeur ce centre, c'est des équipes étrangères qui viendraient à Seraïdi. Tout s'y prête. Avant, s'entraîner à Seraïdi, il n'était pas aussi sophistiqué que maintenant. Mais tout le monde allait à Seraïdi. Maintenant, tout le monde peut aller à Seraïdi. Il y a toutes les commodités. On peut s'entraîner, peut se préparer. On a vu que la Fédération de handball a débuté sa préparation à Seraïdi. Oui. Il y a maintenant le triathlon. Toutes les disciplines peuvent aller à Seraïdi. Oui. Et on peut faire beaucoup de Seraïdi. Il faut retaper Tikijda. Oui. On a Tikijda. On a les crêpes donc, aux alentours. Vous avez le crêpe d'Ayuntar, vous avez celui de Constantine, vous avez celui de Schleff. Donc on a tout ce qu'il faut. Il faut juste qu'il y ait une stratégie. On n'a pas besoin de crêpes. On ne peut sortir que pour aller jouer, pour avoir des sparring partners, et pour, ça et que... pour avoir de la compétition. Et on peut, une fois qu'on a toutes ces installations et qu'on arrange nos infrastructures, on peut nous aussi inviter
Oui. On peut inviter beaucoup de pays. Comme ça se faisait lors des années 70. Les Allemands, dans les années 70, la RDA s'entraînait chez nous. Ils venaient, ils passaient. Pour le climat, pour le climat. Absolument. Donc c'est des centres à encourager, à développer. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de la Chaudière. La Chaudière, donc. Et c'est pour ça que Mohamed Khaldi a parlé de vie dans ce centre de préparation. Et c'est pour inciter surtout les fédérations et les autres sports à pour l'exploitation, à se déplacer. Pour exploiter, c'est un bijou. C'est un bijou, quand on dit en Aba, c'est « j'bel bijou » en angolo. C'est déjà un bijou, c'est un bijou. Il peut faire rentrer de l'argent pour s'agrandir, pour s'améliorer. Parce que les clubs qui vont venir, ils vont payer. Et quand ils vont en Tunisie, ils payent. Ils vont payer ici. Ils vont mettre le prix de la Chaudière. un peu plus que la Chaudière. Allons loin, parce qu'ils peuvent signer des conventions avec d'autres pays. Des échanges, pourquoi pas. Des échanges, moi, si je fais un stage compétitif, pour ne pas débourser beaucoup d'argent, je fais des conventions avec des fédérations. C'est le rôle des présidents de fédération. Dans ma tête, moi, un président de fédération, il peut faire ces conventions-là avec les fédérations françaises, allemandes, espagnoles. Et toute cette intelligence doit figurer dans le projet du futur président. Si on signe, non seulement dans la préparation, même dans la formation des entraîneurs. Pourquoi pas s'il ne pas signer des conventions avec, je ne sais pas, nous en Algérie, on a le demi-fond, on n'a pas de problème. Oui. Par exemple, si vous me permettez. Mais on a un problème dans le sport, dans les spécialités techniques. Par exemple, soit en lenteur, soit en longueur, on fait des conventions avec les Cubains, avec les Américains. On fait ça pour former les entraîneurs aussi. Très bien. Voilà, c'était l'avis de Mohamed Khaldi, de par son expérience en tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur, en tant que manager. Autre bonne nouvelle, c'est notre ami Sidi Ali Boudina qui a décroché cette belle médaille d'argent au championnat de France un mois après avoir battu le record d'Afrique et surtout remporté la médaille d'or au championnat d'Afrique en salle spécialité ergomètre. Ça, c'est un bon résultat en prévision des Jeux Olympiques. Absolument. Moi, je pense que Sidi Ali Boudina, il a la rage. Il a la rage parce qu'il veut vraiment prouver qu'avec des moyens, on peut réussir, on est en Algérie, on peut réussir dans une discipline qui n'était pas très, très, très connue. Hein. Elle n'était pas très connue, l'aviron. Et maintenant, on a quand même plusieurs champions au niveau de l'aviron. Sidi Ali Boudina, il a eu la chance d'avoir cette bourse. Il est rentré, il est reparti. Il avait fait les championnats d'Afrique. Il avait battu le record. Il a été champion d'Afrique. Et là, il fait les championnats de France. Et il a avec lui le champion olympique. Et il se fait battre, il se classe second, donc il est vice-champion de France. C'est quand même quelque chose pour un Algérien, c'est une fierté aussi pour nous les Algériens. Il est vice-champion de France et il est à 2 secondes du record du champion olympique. C'est une bonne chose, à un mois du championnat donc, du monde, qu'il doit, donc, où il est qualifié, et à quelques mois donc, des Jeux Olympiques. Donc bravo à Boudina. Et c'est ça aussi, c'est un message à nos responsables pour dire donnez-nous un peu de moyens et vous allez voir de quoi on est capable. Alors, le temps d'avoir Boudina par Skype, qui est installé en France et qui se prépare, surtout en France, pour ces Jeux Olympiques, à moins de 6 mois des Jeux Olympiques. On va passer à toute autre chose, le temps d'essayer de le contacter. Hein. On va pas parler de handball, tombé de rideau hier sur le championnat du monde au Caire. L'Algérie termine 22e, on en a parlé, on a fait longuement donc, le bilan de la participation algérienne avec Alain Porte qui a parlé pendant plus d'une vingtaine de minutes, succédé donc de Habib Laban, le président de la fédération algérienne, qui a parlé de perspectives, du futur de cette discipline. Cette fois-ci, on va parler de cette finale qui a tenu ses promesses entre le Danemark et la Suède, une finale scandinave à 100% qui est revenue aux Danois. Oui, c'était le duel des Vikings. Hein, c'était le duel des Vikings. C'est dommage que ça se soit terminé parce qu'on commençait à prendre goût donc à suivre ces championnats du monde. On a vu un championnat du monde. Tout d'abord, je vais dire bravo à l'Égypte pour avoir donc su organiser une telle manifestation. C'est la deuxième fois, donc elle l'avait organisée en 1999, elle l'organise en 2021, tout était parfait, tout le monde a félicité l'Égypte, ça c'est déjà une victoire donc, pour les pays arabes et pour dire que tout le monde peut organiser un championnat du monde pour peu qu'il s'y mette. Et puis il y a eu donc,
tous ces matchs qui se sont déroulés. Il y a eu la participation de l'Algérie. Je pense qu'on n'y reviendra pas. Tout le monde a dit pourquoi. Donc, on n'a pas fait de bilan. Moi, je dis qu'on a fait un bilan. On a été obligé de faire un bilan par Skype parce que Alain Porte et à La Banne devaient rentrer chez eux en France, retrouver leur famille. Donc, ils venaient pour en Algérie. Nous, on a devancé les choses. On l'a fait par Skype. On a discuté pendant 20 minutes. On a décortiqué match par match. Je pense qu'on a fait un bilan. On a fait un bilan avec le président de la fédération. Donc, maintenant, il faut arrêter de faire des bilans. Il faut aller de l'avant pour en revenir à la finale. Ça a été une superbe finale. Les Suédois auraient pu gagner comme les Danois ont gagné. Les Suédois ont été trahis par le grand gardien de but danois. Il a fait une superbe partie, surtout vers la fin. Et puis il y a ce joueur, donc Hansen, donc au niveau donc ouais. du Danemark. Peter Hansen, oui. C'est un joueur qui est, pour moi, il est surnaturel parce que à chaque fois que l'équipe du Danemark n'arrivait pas à trouver de solution, c'était lui qui sortait la solution. Ces deux joueurs ont fait la différence. Bravo aux deux équipes, c'était vraiment une très belle finale. Je l'ai vu et je l'ai revu. J'adore vous voir parler de handball, comme nos amis téléspectateurs, parce que ça sort du cœur. Voilà, la rubrique Olympica, et vous allez découvrir de quoi il s'agit. Le jingle de la rubrique Olympica, ça va partir. 1, 2, 3, c'est parti. Voilà, Olympica, aujourd'hui, on va parler surtout de la tenue des Jeux Olympiques, de l'incertitude. Jamais on a vécu une telle situation. Mohamed Khaldi, vous avez participé à deux éditions, à Sydney, juste après à Athènes. Cette fois-ci, pandémie Covid-19 oblige. Déjà, les Jeux ont été reportés. Cette fois-ci, il y a une incertitude. Il y a une partie de la population qui demande le report. Sur le plan financier, c'est pratiquement impossible de le faire. Comment vous vivez cette situation en tant qu'athlète ? Personnellement, quand en tant qu'Olympien. Bon, moi, personnellement, quand je vois c'est qui va organiser les Jeux Olympiques, c'est le Japon. C'est pas un autre pays, c'est le Japon, c'est une force mondiale qui peut faire beaucoup de choses à n'importe quel moment. Donc, je crois que, tel que soit, reporter les Jeux Olympiques ou non, l'essentiel qu'il y aura lieu les Jeux Olympiques. Parce qu'il y a des athlètes qui ont fait une préparation, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des sportifs qui ont fait ça. Donc, je crois que le Japon, il est à la hauteur d'organiser. Moi, je suis optimiste de l'organisation qu'elle sera à temps. Nolden, c'est pour le 23 juillet. Je suis totalement d'accord avec lui. Le Japon fera ces Jeux Olympiques. L'incertitude peut naître des autres nations européennes où le Covid, avec les nouvelles variantes, avec tout ce qui se passe en ce moment, peut provoquer donc des désagréments. Mais je pense que maintenant, pour le Japon, pour eux, c'est parti, ils feront les Jeux Olympiques. Ça dépendra des autres pays, est-ce qu'ils vont participer? Et si les autres pays ne participent pas, si les meilleurs ne viennent pas, ce ne sera pas de vrais Jeux Olympiques. Donc c'est là où l'incertitude est en train de… Tous les deux, vous êtes certains, Sarah Darbal, en tant que journaliste qui se respecte, préfère se poser les questions, c'est le dossier du jour. La Covid-19 a soufflé la flamme olympique et éteint le rêve d'une nation en 2020. Et après un report d'une année, c'est devenu l'un des événements les plus attendus en 2021. Les JO sont toujours prévus entre le 23 juillet et le 8 août prochain. Mais les menaces d'annulation de ces Jeux reviennent avec insistance à moins de 6 mois de la cérémonie d'ouverture. Une probabilité contredite par le Premier ministre japonais Yoshihide Suga. Des médias japonais que les Jeux auront lieu en été et que le gouvernement japonais sera prêt pour se prémunir du virus et qu'il est déterminé à travailler en étroite collaboration avec la métropole de Tokyo, le comité d'organisation des JO et le comité international olympique pour réaliser des Jeux sûrs et sécurisés. De leur côté, les responsables des Jeux olympiques de Tokyo ont déclaré eux aussi qu'ils disposaient d'une base solide pour assurer l'organisation de l'événement cet été. Malgré les doutes sur sa faisabilité et qui se sentaient encouragés par le soutien du président du comité international olympique, Thomas Bach, qui a également mis fin aux rumeurs et a promis des Jeux sûrs, même en pleine pandémie.
Le Japon connaît actuellement sa pire vague d'infection depuis le début de la crise sanitaire. Et malgré le développement de plusieurs vaccins, cet événement sera certainement très différent de celui initialement prévu. Le soutien des Jeux au Japon est en baisse. En 2021, une enquête a révélé que plus de 60% des Tokyoïtes étaient contre l'organisation des JO en juillet. Une certaine inquiétude de la part de la population de l'arrivée de 15 000 athlètes olympiques et paralympiques, mais également des milliers de sous-interrogations. La beauté du geste, en tout cas, on voudrait en aucun cas rater ces moments forts, joie et déception que nous procurent les Jeux Olympiques. Et à un athlète qui n'aimerait pas rater ces Jeux, il aimerait que ces Jeux se déroulent, c'est Sidi Ali Boudina, auréolé par cette belle médaille d'argent au championnat de France aviron, donc en salle, spécialité aéromètre, qui est avec nous par Skype. Sidi Ali, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir à tes chers invités, bonsoir aux téléspectateurs. Alors très content de t'avoir par Skype parce qu'on a essayé au début, ça n'a pas été facile. Mais tu es avec nous pour déjà nous faire part de tes impressions suite à cette progression en matière de chrono et surtout cette belle médaille d'argent. Ben, c'est de bon augure parce que c'est à un mois des championnats du monde qui se tiendront le 27 février en salle. Et vous m'entendez ? Oui, allez-y. Le son est bon et l'image est moyenne. Allez-y, on vous écoute. Et du coup, comme je disais, c'est de bon augure pour les championnats du monde qui se tiendront le 27 février en salle. Donc, du coup, ce championnat de France est venu au bon moment pour me confronter au meilleur, en sachant qu'il y avait des champions du monde, le champion olympique Pierre Rouin aussi qui était là présent. Je le bats sur 1800 mètres et vers la fin, il me passe vraiment, il me met une seconde et 4 dixièmes. Donc je suis très très content de ce résultat-là. Je suis très content de pouvoir atteindre enfin le haut niveau. Voilà, et le niveau a progressé comparément à l'époque de 2016. Vous vous sentez mieux ? Oui, le niveau a vraiment augmenté parce que je me sens mieux, parce qu'il n'y a pas de secret. Je m'entraîne tous les jours. Je ne me suis pas arrêté depuis le mois de septembre. En fait, l'athlète a besoin juste de ça, juste de s'entraîner et de ne pas être interrompu pour que sa préparation soit optimale et pour qu'il puisse... Pour qu'il puisse avancer dans sa préparation. Voilà, très content de retrouver son niveau et surtout de faire mieux hein, avec... Il vient d'expliquer comment il a perdu sur le fil cette course. Absolument. Donc, c'est ça la compétition. C'est se mesurer au plus fort pour évaluer où on en est. Il avait avec lui des champions du monde. Il avait avec lui donc, un champion olympique. Donc, dominé, parce que j'ai suivi un petit peu la course. Il a dominé un petit peu le champion qui, lui, est déjà champion, qui a de l'expérience, qui l'a battu sur le fil. Mais ça veut dire qu'il y a une marge de progression, c'est de bon augure. Vous allez le retrouver, Nordin Hani, une question peut-être ? Moi, je voudrais te parler des Jeux Olympiques surtout. Tu es sur un duo donc avec Aïd Daoud. Tu as un travail spécifique, tu as un programme d'entraînement. Aïd Daoud, le pauvre, n'a pas pu avoir les mêmes conditions que toi par rapport à des erreurs administratives. Ça ne va pas un petit peu gêner la performance des deux ? Pacter la performance des deux si on ne se retrouve pas. D'ailleurs, la fédération a décidé au mois de mars après les championnats du monde, parce que je suis Aïd Daoud n'est pas qualifié pour ces championnats du monde-là. Donc après les championnats du monde de fin février, si Aïd Daoud n'arrive pas à régler ses problèmes administratifs, je serai obligé malheureusement de le rejoindre en Algérie et là on aura à Milan où on trouvera d'autres solutions. Parce que comme ça, il y aura un vrai décalage entre vous et Aïd Daoud. Le décalage, malheureusement, il se crée déjà, mais on ne peut pas tous les deux revenir en arrière. On ne peut pas attendre tous les deux revenir en arrière et attendre. Le temps passe et le haut niveau n'attend pas malheureusement. Donc moi j'ai eu l'opportunité, parce que j'avais travaillé en France l'année passée, donc du coup j'avais eu l'opportunité de revenir là. Je peux m'entraîner, je peux améliorer mon niveau, du coup je peux que être content pour cette préparation-là.
Espérons que Kamel Aïdaoud surtout aura la facilité de te rejoindre en France pour peaufiner lui également sa préparation. On espère, parce que de toute façon en aviron, tout le début de saison, il se fait en individuel pour augmenter ses capacités physiques. Oui. Et généralement, c'est à partir du mois de mars que les équipages sont formés pour préparer les manches de Coupe du Monde et les championnats du monde, voire les Jeux Olympiques. Donc pour l'instant, certes, il a un retard sur son entraînement, mais pour l'instant, il n'y a pas... Bon, on ne tire pas à son Abdallah. Un regret peut-être de ne pas participer en individuel à Tokyo ? Ben, regret oui et non, parce que ça a été la politique de la fédération, en fait, d'emmener le maximum d'athlètes aux Jeux Olympiques. Donc, emmener un double, ça veut dire deux personnes aux Jeux. Donc, oui. c'est plus valorisant pour une fédération. Pour la discipline. Malheureusement, c'est pas une critique, mais... On ne cherche pas beaucoup plus la performance, mais on cherche beaucoup plus le nombre d'athlètes qui participera au jeu plutôt que... En tout cas, pour nous, c'est un regret de te voir te frotter au Gotha mondial. Et là, tu ne pourras pas participer en individuel comme ce fut le cas à Rio. Ben, c'est pas grave, on essaiera de travailler en double bien comme il faut. On aura du mois de mars jusqu'au mois de juin. Et j'espère que je serai un petit peu la locomotive pour pousser Kamel aussi. Et oui. Pourquoi pas faire une belle surprise au jeu de Tokyo. C'est bien de penser comme ça. C'est bien de réfléchir de la sorte. Merci. En tout cas, oui. On vous souhaite bon courage, Sidi Ali. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne chance, Sidi Ali. Et un bonjour de tout le monde. Merci, Tandon. Voilà, c'était le sympathique Sidi Ali Boudina qui revenait sur sa performance et sur les Jeux de Tokyo. Jingle, portrait, on se retrouve juste après. Voilà, merci pour le jingle qui est venu cette fois-ci rapidement. Le portrait est consacré aujourd'hui au véléplanchiste, à la véléplanchiste Amina Berrichi, qui est elle également qualifiée aux Jeux Olympiques. Rachid Mikidesh, notre réalisateur de la chaîne nationale qui nous a habitués cette saison de nous faire de jolis portraits, eh bien, il s'est déplacé à Borj Bahri pour revenir avec ce joli portrait. سبور هذا على لاج دو 16 ans en 2012 كنت نشوفه في لا تيلي بويا ديجا كان يديره مي جو سافي با بلي كاين دي في لي بارتي لي براتيكو هاد السبور ابري عرفت بلي لو كلوب دو مون بير لونسيان كلوب كان راهي دخل في لي في وكاع و جي طونتي ما شانس وقلت ندخل مالغري ا 16 ans كنت نيفو سينيور صافي دخلت ديريكت مع ليكيب سينيور و شويه شويه جبت روحي ما بروميير كومبيتيسيون ناسيونال كانت هنا في اجي بلاج لي جو سافي با كاع كيفاش تندار وكاع ومن بعد قالوا لي بلي انت لاج تاعك تي با بارتيسيبي افيك لي جون لي كبار عليك صافي لي جون سينيور و سيتي ما بروميير كومبيتيسيون وين ما كلاسيتش وقعدت لي قال لي هذيك هي لا كومبيتيسيون لي حرحرتني بزاف لي عليها وخدمت و جي با لاشي و تماك بديت نبدا النيفو تاعي يطلع شويه شويه ومن بعد جي انتغري ليكيب ناسيونال وين ليكيب ميم ليكيب ناسيونال كانت انتغري في ليفي باش يديروا اون ايكيب فيمينين والحمد لله جبت بلاصتي معاهم national qu'il y a plusieurs منهم des champions d'Algérie كاين ثاني des compétitions تاع la coupe d'Algérie وين عندي بزاف ميداليات ذهبيه وكاين championnat d'Afrique اللي دارت في بجايه 2014 وين تحصلت على المرتبه الثانيه
و لا ديرنيير هادي شامبيونا دافريك كاليفيكاتيف لي جو اللي تحصلت على المرتبه الاولى وتاهلت الى العاب اولمبيا طوكيو 2021. بون التحضيرات تاعنا بداو جوست مور الشامبيونا دافريك اللي درناها اون فوا تكاليفينا لا فيديراسيون لا بروغرامي دي ستاج تو ان بروغرام ومن بعدك جات جا الكوفيد مالوغوزمون مي توجور نشوفو الجانب الايجابي الحمد لله دروك رانا في 5e ستاج ابخي 6 mois d'arrêt en même temps رانا تاني نتلينو في لي كلوب تاعنا عندنا ان بروغرام اللي نتبعوه programme atahna l'entraîneur tana ta l'équipe nationale ou ntabbou f li club tawana entre conditions physiques la technique navigation en mer ou rana maaha الهدف تاعي لطوكيو 2021 هي تحسين المرتبة الجزائرية صافيغ نحسن من المرتبة تاعنا احنا ديجا بارتيسيبينا في لي جو ريو 2016 وكلاسينا وان شاء الله الكلاسمون هذا يتحسن هذا هو لوبجيكتيف تاعي وعلى هلا نكون بارمي لي برومي ان شاء الله Voilà, bon vent à Mina Berichi ainsi qu'à Hamza Bourras pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Les 30 dernières secondes, on les laisse à notre invité du jour, Mohamed Khaldi. Certainement un message au futur président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Bon, Inch'Allah, le futur président de la Fédération, Inch'Allah, sur les quatre sont des amis à moi, donc je le connais autant qu'athlète, autant que dirigeant. Je souhaite qu'il prenne en charge bien cette discipline. Non seulement que des paroles. À chaque fois, les gens, ils donnent des paroles. Il faut mettre un programme, il faut tracer un programme, et faire des objectifs, et aller devant, et rassembler tout le monde de la famille athlétisme, et t'aklou Allah, Inch'Allah, faire. Autour du même projet, ça concerne également les autres fédérations. Je rappelle que le cyclisme sera le premier à donc, organiser son assemblée générale élective. Ça sera ce mardi. Merci Nordin Hani, on se retrouve lundi prochain. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2, à leur tête, notre réalisatrice Amal Bembatouche, qui est de retour. Et tant mieux, alhamdoulilah. Et Youssef Issaad, notre script. On se retrouve lundi prochain. Et avant cela, dimanche, il y aura C'est l'heure du foot avec Hakim Keshrout. Bonne soirée.